Salut tout le monde, ici SnakeToot de retour avec Resident Evil Village. Lors du dernier épisode, on avait fait plein de trucs, on avait fait des découvertes sur Ethan très troublantes et on avait joué avec Chris Redfield, le Big Dick OG, c'était incroyable, c'est tout ce que je voulais. Même une toute petite séquence jouable avec Chris, je suis heureux. Comme d'habitude, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous rappeler de liker, de commenter et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue à vous d'ailleurs. Voilà, si vous appréciez mon contenu, si vous avez apprécié le let's play jusqu'ici, n'hésitez pas à m'offrir une petite tasse de café sur mon Ko-fi, lien dans la description. Comme toujours, let's fucking go, on a peur de rien ni de personne. Casse-toi de là, putain de branche d'arbre hentai. J'ai autre chose à foutre. Alors, on peut récupérer des trucs, vous croyez? Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait qu'il y ait des choses à récupérer. Hein. Ici, ça reste bleu. Ça n'apparaît même pas sur la carte, ce délire. Mais je préfère passer par là parce que je me dis que c'est un peu plus sûr. En tout cas, Ethan ne peut absolument pas courir. Hein. Bon, en même temps, la cardio, son cœur, ça ne doit pas être facile. Out of my way. De quoi? De quoi? Ah ouais, je préférais le flingue à Chris. Hein. Mille fois. Oh, toutes les munitions qu'on a. Voilà, je pense que c'est une bonne chose de les éviter en fait. Ça ne va nous mener à rien. Hop, vas-y, interagis. Oh non! Pousse-toi. Little Eve, my beautiful daughter. Je vais te backstab, tu vas rien comprendre. Come to me. Le bébé est là-dedans. Eve, is that you? Oh putain, Rose, on la revoit enfin. Oh, how I've missed you. Oh, je vais te backstab. Oh, tu vas rien comprendre, vieille peau. What? Non, c'est pas Eva, ça reste Rose. My power is leaving me. Bien fait pour ta gueule. Rose! Ouh là 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 là. Eh ouais, je vais te headshoter, connasse. Interesting. Your body certainly is normal. Ding dong, très intelligente. Give Rose to me. Now. Rends le bébé. You will see. Once I kill you properly, everything. Get her now. Tiens. Oh, Chris. Ferme ta gueule. Headshot dans ta face. Vas-y, fous-moi la paix. En fait, ta vraie forme, c'est la vieille. Non. Oh my god. Elle est dans sa phase gothique. Edgy. My desires will be fulfilled. Mais merde. Rose is mine. Elle a encore pris le bébé. On va devoir tirer à travers les branches. Oh my god. Oh my god. You fulfilled. Alors, attendez. Oh, on a à nouveau des grenades explosives, non? Your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Necromice. Mais ta gueule. Now, please do not worry for little Rose. Oh, wow. I assure you I'll provide her with true happiness. Suffit de lui tirer dedans, c'est ça? So now you can die peacefully. Tiens, on va pas tout de suite prendre. Voilà, on va prendre. Elle fait sa Sadler. Oh, oh putain, je l'ai vu arriver de loin celui-là. Attendez, maintenant qu'elle est proche, on va reprendre le. Voilà. I shall put you to rest. Raté, connasse. Raté. Oh! Elle fait une chop. On a quand même pas mal de soins, donc. This is the end. My only friend. The end for you, bitch! Allez, viens. Oh! Elle est forte, putain! Bon, après, on n'a pas été mal de santé. Are you sure? Voilà. Ah, nouvelle. Granted me this splendid power. Elle vole maintenant. Yeah, right. I'll
drive me nuts! Oh! We'll just kill you. Oh! Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Oh tiens! Ah oh, putain, elle fait des boules de feu! Soigne-toi, soigne-toi, gros. Eh, raté! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, hein, petite, là? Tu veux encore me faire tes boules de feu, là? Même pas, tu voles. C'est ce que tu sais faire, c'est voler. Allez! Oh! T'es où? Oh, oh, soigne-toi, Tan, soigne-toi. Voilà, on est bien. Où est-ce qu'elle est? Oh, great mega mice, hear my Allez. Prayer! Oh, nouvelle étape. Ça a l'air. Ah, on pouvait péter son truc, là. Vas-y. C'est le moment. Oh, attention. Tiens, saloperie. Oh merde, qu'est-ce que ça veut dire ça? Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Oh, rest now. Oh shit. The hell I will. I will take back my daughter! Oh putain, en fait il faut lui tirer dans la gueule avant qu'elle arrive, je suppose. Die! Putain de merde, soigne-toi. I understand your feelings, Mr. Truly. Voilà. But this is. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last. I've waited a century. Oh. A century. Oh. For this day. Voilà, c'est bien. Elle va combiner maintenant les your modes. Your time is up. Now die. Oh là là. Vous savez quoi, j'en ai marre, il est temps. Il est temps. Your life is over, Mr. Why do you stay? Voilà, recharge les deux, voilà, c'est super. Il était temps. Waouh, et c'est toujours pas assez. C'est toujours pas assez, mais là, voilà la vie, hein. Voilà, je crois que c'est tout, là. Oh, Seigneur. Oh, d'où Jésus. Nope. Oh, son petit coupe-saucisson. Oh là, tiens. Je te laisse même pas finir ton petit trash talk de merde, là. Va te faire englander. Oh. Allez, putain. Ouh, putain de merde, c'était chaud. Je crois que c'est fini. My daughter. Va te faire. Bye bye. Il nous reste à se casser de l'île maintenant, parce que Chris, il a fait un compte à rebours, ce con. Genre, il peut pas attendre qu'on soit dans un hélico. Non. Yes, on a fini le jeu, je pense, hein. Allez, bye bye, et salut Marilou. Ouais, merci, je vais juste reprendre mon bébé, il drinks. Rose. C'est adorable. On a commencé le jeu avec le bébé dans les bras. Oh non, on fait partie du Mutamycete, donc on va se désagréger aussi. C'est horrible. Oh non, Ethan. Ethan. Putain, pauvre Chris, il y a encore quelqu'un qui va lui claquer sur dans le doigt. Come on, Ethan, wake up. Putain, c'est pas... Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other.
Oh, fuck. Ethan, we gotta move. Oh, putain. Tout le Mutamisette. Oh, le bébé, il est adorable. Oh, putain. Non, en fait, c'est ça le vrai dernier boss. Il y a des gros points faibles à éclater, là. Je pense... Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Oh bordel, ah, damn it. C'est Ethan qui va He's le faire. Waiting for you. Elle est vivante. She's alive, you hear me? Alive. Bah, j'espère que Mia, elle fait pas aussi partie du Mutamisène, hein, mais je crois que si. I love you. Oh putain de merde, Ethan. Hey. Tu vas faire le héros tragique, Ethan. Il va le faire. Yourself. Oh, come on, it's not that much further. Putain, pauvre Chris. Oh, c'est trop horrible, il lui donne sa veste. Oh non. Teach her to be strong. God damn. Oh my god. C'est pas vrai. Goodbye, Rosemary. Non, c'est horrible. Oh, le pincement au cœur de malade. Ethan. Non, c'est pas vrai. Oh, bordel à cul. Oh my god, c'est nous qui allons devoir le faire. On va devoir appuyer sur la détente. C'est pas vrai. Oh bordel à cul. Allez, go. Go. Ouf. Badabing, badaboum. Et Mia s'en sort, j'y crois pas. Mia s'en sort. Ah, d'où j'ai... Rose. Go. Go, take us up now. Oh, c'est mignon. Wait, where is Ethan? Un peu partout là. Il va être un peu partout à la fois. Get moving. We have to get clear. No, we can't go. Not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Justement, il nous a pas abandonné, il nous a sauvé. Putain, je suis dégoûté, il a fait exploser le village et il nous restait du poisson à récupérer. Là, ça sera du saumon fumé. Oh Seigneur. What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. Voilà, calme-toi un peu maintenant. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Moment émotion, c'est horrible. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. Hein? The hell were they thinking? Mais ils sont malades. Le BSA utilise des... Pick up the rest of the squad. Je crois que je commence à comprendre. Plot a course for BSA Europe HQ. Ouh, là où il y a Jill, Barry et tout ce qui s'ensuit. Je sens que le prochain Resident Evil, il va faire mal. Someone's gotta pay. Le BSA, on voit des armes biologiques dans le champ de bataille. Il y a de la corruption au sein du BSA, j'en suis sûr et certain. C'est pour ça que Chris n'en fait plus partie, je crois. Je suis quasiment sûr. Oh my god, il se passe des choses. Il y a 3 milliards de théories dans ma tête là. Oh shit. Village of Shadows. Bah oui, la petite fille c'était Eve. Enfin, la fille de Miranda quoi. Ah ouais, tout fait sens maintenant. Tout a un sens.
Donc Mère Miranda est en train d'expliquer à Rose l'histoire de sa fille, l'histoire de ce qu'elle allait faire d'elle, en fait. J'aime bien. Ah, la musique, elle est cool aussi. Je vais vous laisser en profiter, d'ailleurs. We gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. La suite. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, save our daughter. So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Oh my god, maintenant c'est l'histoire d'Ethan. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. Oh, trop triste. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Non, non, trop triste. Damn! Ouais, il y a des images de l'histoire de Miranda et de sa fille, hein, sur le côté. Damn. C'était la misère au village, apparemment.
tristesse. Oh, ah ouais, pas cool. Pas cool du tout. Ouais, c'est... Ils ont vraiment pris une page de Resident Evil 4 à la fin avec les images comme ça, des villageois et tout ce qui s'en suit. Ouais, voilà, on professe, hein, et tout ce qui s'en suit. Merde. Ah ouais, en mode on est des docteurs, laissez-nous vous vous piquer avec ce truc tout noir. Ah c'est... Ouais, ouais. Laissez-moi vous donner une dose d'AstraZeneca. Oh mon dieu. Elle est revenue à la vie. C'est un miracle. Loué soit Spencer. Ouais, et les emmerdes ont commencé. Bloodborne. What's that smell? It's blood. Wow. Quel jeu de ouf, l'attente était vraiment, vraiment, elle valait le coup l'attente. Damn. Oh oh. Oh oh. Special ending. C'est Mia? Est-ce que c'est Mia? Non, c'est Rose. Rose adulte. Do you think the little boy will be able to touch the moon? But he can touch the moon, it's too far away. Wait, what if you... C'est Rose qui a grandi. Okay, then you can touch it, but it'd be very, very cold. Rose Pine, sans you ta were quoi? Being silly. I don't think the moon feels like it. I think it does. C'est Rose, elle a le manteau de son père. Elle met des vannes. Oh, c'est trop adorable. Ne dis pas... Oui, ouais, elle va au cimetière de son père. Elle va au cimetière, elle va mettre des fleurs sur la tombe de son père. J'espère que Mia ne fait pas partie des morts. J'espère que Mia est toujours en vie. Hey, Dad. Oh non. Happy birthday. Oh, trop triste, putain. Ethan. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Si c'est pas Chris qui vient la chercher, je vais être très fâché. Goddamn devil.
duty calls. Ah, ou alors c'est le BSA. Genre, elle bosse pour le BSA I maintenant. Ou alors une société ou un truc dans le genre. Oh. Yeah, I found her. Where else? Ok, elle est sous garde rapprochée. We have a situation. You're needed. Evelyn. Ah, c'est genre... Hé là! Elle s'appelle pas Evelyn, connard. Don't you ever call me that again. Oh, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Chris l'a entraîné, ça se voit. C'est une petite Claire Redfield sous stéroïde. Stand down. I can handle it. C'est Johnny Young. C'est Johnny Young Bosch qui fait la voix? C'est la voix de Nero? We need to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? Non, c'est Dan Southworth. C'est la voix de Virgil. Si c'est pas la voix de Virgil, je me coupe un doigt comme Ethan. I know. Waouh, excellent. Elle a grandi. Ok. Ainsi s'achève l'histoire du père. Maintenant, c'est l'histoire de la fille. Vous imaginez, dans Resident Evil 9, ça va être genre on joue Rose. Je dois appuyer sur une touche, j'ai l'impression. 10h33 minutes, ouais, c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu. Ouais, la durée de vie du jeu est de 10h. C'était plutôt pas mal, c'était assez long, je trouve. Ajout du nouveau mode de difficulté, Village des Ombres. Ouais, ça sera pour les streams, si Dieu le veut. Les éléments suivants étaient ajoutés au mode bonus. Boutique spéciale, concept art, figurines et défis. Compléter différents défis pour obtenir des points de complétion, d'accord. Les vidéos suivantes ont été ajoutées. Là, la sélection vidéo, les Villages des Ombres, version complète, Village des Ombres, making of, coulisses du jeu, beaucoup de coulisses. Vous avez complété l'histoire principale, l'arme suivante est maintenant disponible dans la boutique WCX. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez complété les défis suivants. Bienvenue en enfer, noblesse oblige. Je peux savoir ce que ça concerne ? Ouais, sauvegarder, bien sûr qu'on va sauvegarder. Alors là... Voilà, merci. Les données de partie complétées ont été sauvegardées. Check, 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 check. Bon, on a fini. On va juste peut-être aller dans les bonus. On va aller dans la boutique spéciale. Vidéo, concept art, figurines, défis. Les figurines, je veux bien voir quelques figurines. Ah, oh, faut les acheter, je parie. Oh, l'arnaque. Boutique spéciale. Mode mercenaire, 10 PC. Ben, pourquoi pas le débloquer directement? Cool, le mode mercenaire, cool. L'arme spéciale, un puissant fusil d'assaut à canon court. 30 000, arme spéciale, couteau carambit, le couteau préféré de Chris. Moi, c'est le dragoon que je veux. Le dragoon, il est vraiment puissant de chez puissant. Terminer l'histoire principale en mode hardcore ou plus. Ouh, head cannon, enfin hand cannon. Ouais. LZ Answerer. C'est un sabre laser? C'est un double sabre laser de Star Wars. C'est quoi ce délire? Et après, on a les trucs en munitions infinies. Ah, d'abord améliorer au maximum pour avoir les munitions infinies pour les armes. C'est quoi le steak? C'est un flingue? On pourrait s'acheter les munitions infinies pour le dragoon, mais on n'a pas encore acheté le dragoon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, les figurines, c'est 100 PC chaque. On va acheter le dragoon parce que j'ai trouvé que c'était une arme de malade mental. Et je pense qu'à mon avis, le dragoon est aussi puissant que le WCX. Donc, le dragoon. Merci. Il nous reste assez pour le WCX. Puis, le pistolet semi-automatique de Chris. Pistolet, quand même. On pourrait avoir l'arsenal de Chris. Nique ta mère, on va acheter l'arsenal de Chris. On a assez pour soit le WCX, soit le couteau. J'ai plutôt envie d'acheter le WCX. De toute façon, le reste.
Voilà, MRC. Et alors... On a quelques sous pour s'acheter quelques figurines. Alors, j'ai envie d'acheter une figurine de Chris Redfield. J'ai envie d'acheter une figurine... de Rosemary. Et après, c'est les armes. Attendez, on va remonter parce que je veux aussi la figurine d'Ethan. Bon, on peut pas aller plus vite, sérieusement. Attendez. Ouh, Chris Redfield avec sa veste. Bien sûr que je la veux. Alors, je veux Ethan Winters, je veux Mia Winters, je veux Rosemary, je veux le Luc, la chamane. Je veux le Lycan, je veux le grand Lycan, le Varkolak, Urias, Alcina, Bella, Cassandra. Oh, je sais pas si on a assez pour tout acheter. Mais on va tenter. On va tenter de tout. Ça m'étonnerait qu'on a assez pour tout acheter. Ou en tout cas au niveau des personnages. Ouais. Chris, on a acheté. Merci. K9, Knight. Voilà, il nous reste plus que 7. Voilà. Ouh, on n'a plus assez. Il nous en manque combien? 1, 2, 3. Pas des masses en fait. 1, 2, 3 seulement. Donc 2, 4, 6. Ils en manquent que 600. Bah, le reste, on s'en fiche un peu. Hein. Bon, ben voilà. Du coup, mesdames et messieurs, c'était Resident Evil Village. Merci à tous de m'avoir suivi lors de ce let's play. C'était un truc de dingue. J'ai adoré. Je me demande si Capcom a en tête des DLC histoires. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa, étant donné que le jeu s'est incroyablement bien vendu. Voilà, quoi rajouter de plus si ce n'est liker, commenter un max, hein, dites-moi ce que vous avez pensé du jeu en général. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne, bienvenue à vous si jamais c'est le cas. Je pense que vous allez vous plaire ici, hein, notre communauté elle est plutôt cool. Si vous avez apprécié le let's play, n'hésitez pas à m'offrir un petit café sur Ko-fi, lien dans la description. Et puis voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour encore plus de frissons signés Capcom. Ciao !